à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre que nous avons lu, Radium Girl. C'est une BD écrite et dessinée par Si de la maison d'édition Glénat. Elle est constituée de 123 pages qui racontent l'histoire de 6 filles, Grace, Molly, Edna, Catherine, Quinta et Albina. Ce sont des jeunes ouvrières qui travaillent dans une entreprise qui consiste à peindre le cadran des montres. Elles utilisent une technique qui s'appelle le Lip Dip Paint, qui consiste à tremper son pinceau dans la peinture, l'affiner entre ses lèvres, puis peindre. À cette époque, le radium était très banalisé, commercialisé et utilisé par les Américains. Il était utilisé dans les cosmétiques, dans les vêtements et même en médecine car il était considéré comme un produit miracle. Les ouvrières manipulaient une peinture avec du radium à l'intérieur qui leur a causé des maladies au fur et à mesure, comme la perte des dents, des cancers, etc. Les ouvrières n'ont pas fait le rapport entre leur maladie et le radium jusqu'à que plusieurs ouvrières de leur entreprise meurent. Grace, une des ouvrières, a porté plainte, mais la procédure n'est pas allée jusqu'au bout car elle est morte entre-temps. En revanche, leur combat a permis de faire connaître les dangers du radium. C'est une BD qui se lit facilement, il y a peu de texte, les illustrations sont faites par Si au crayon de couleur et le choix des couleurs est justifié. Le vert représente le radium et le violet est l'une des couleurs préférées de Si. Le choix de la taille des planches est bien choisi. Quand il y a des planches pleines, c'est que la maladie est en train d'envahir les filles. Nous vous conseillons ce livre car il va apporter un plus dans votre culture générale. Les personnages sont très attachantes et très courageuses. On arrive à s'identifier à elles car ce sont un groupe de jeunes filles qui veulent profiter de la vie comme la plupart des jeunes filles de nos jours. J'ai aimé le livre car il permet de se renseigner sur l'histoire du radium. Cela permet de faire connaître l'histoire des Radium Girls et on voit aussi le rôle des femmes dans la société. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bisous! Bisous!